Nous sommes dans notre dimanche de Pentecôte. We are in another Sunday, the Sunday of Pentecost. La semaine de Pentecôte a été instituée. And the Pentecost week was established. Pour rappeler à nous les croyants. To remind us believers. De la puissance par laquelle nous devons marcher. Of the power through which we have to move. La semaine de la Pentecôte a été instituée. The week of Pentecost was established. Pour que nous ne puissions pas détourner nos yeux. That we might not waver our focus. De ce qui fait la différence dans la vie d'un croyant. From that which makes the difference in la the life of a believer. La semaine de la Pentecôte existe. The week of Pentecost exists. Pour que le grand réveil de la Pentecôte qui a engendré l'église dans laquelle nous sommes ne soit jamais oublié. Because so that the great revival on the day of Pentecost that established the church in which dispensation we find ourselves should never be forgotten. Et c'est pour cela. And that's the reason why. Que c'est un grand jour pour nous aujourd'hui. It's a great day for us today. Et ma prière pour toi. And my prayer for you. C'est que le Seigneur rallume son feu en toi. Is that the Lord will reignite le feu de son esprit. The fire of a spirit qui dévore et consume tout ce qui est de diable. That devours and consumes all that which is of the devil. Le feu de son esprit. The fire of a spirit qui catalyse tout ce qui est de Dieu. That catalyzes everything that is of nous God. Nous sommes dans une saison. We are in a season où la présence de Dieu devient indispensable. Where the presence of God becomes indispensable. Nous sommes dans une saison. We are in a season où on ne peut plus juste marcher comme toute autre personne. Where we can just no longer walk like every other person. Nous sommes dans une saison. We are in a season où la peur s'est emparée du monde entier. Where fear has taken captive of the whole world. Au point où même l'église vit dans la peur. To the point where even the church lives. Et la question que je me pose. And the question I ask myself. C'est que où est allée l'expérience du jour de la Pentecôte? Is that where has the experience of the day of Pentecost gone? Parce que quand la puissance de Dieu est descendue sur eux. Because when the power of God fell on them. La première chose que la Bible dit. The first thing that the Bible says. C'est que Paul et c'est que Pierre et Jean. Is that Peter and John ont manifesté le courage qu'ils n'avaient pas auparavant. Manifested courage that they did not have. Au point before. Où ils ont pu affronter les autorités to et tout ce qui était comme puissance de leur époque. To the point where they could confront authorities and every other thing that existed that il powers. Il nous a été dit dans cette église. And it was told unto us in que c'était l'année de la victoire. That it was the year of victory. Et il nous a été expliqué. And it has been explained to que us que la victoire veut dire qu'on doit combattre. That victory means how to fight. Et pourquoi est-ce qu'on est donc surpris? And why are we there for surprise? Quand les choses se lèvent, when things arise, nous avons entendu, we heard, que le Seigneur va au devant de nous, that the Lord is going ahead of us, pour combattre pour nous, to fight for us, et nous donner la victoire, and then give us victory. D'où vient la peur qui vous paralyse? So where is this fright? Je suis venu vous annoncer. We were announced. La victoire qui nous a été annoncée. Victory was announced. Et notre expérience en cette année au nom de Jésus. And that is our experience this year in the name of Jesus. On m'explique. It explains que le diable est en marche dans ce monde. That the devil is at work in this ça world. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. It did not start today. Ça a commencé au jardin d'Éden. It started in those days. Dans toutes les générations du peuple de Dieu. And in every generation of the people of God. Le diable a toujours voulu avoir le contrôle. The devil has always wanted to be dans in control. Dans toutes les générations du peuple in de every Dieu. Generation of il y a toujours eu des principautés et des puissances. There have always been principalities mais and je powers. Suis venu vous annoncer. But I came to announce que vous êtes assis. That you are seated ensemble avec Christ, together with Christ, de toute principauté above all principalities and powers. Est-ce que cela a changé? Has that changed? D'où vient cette peur? So where is this fright coming from? Qui nous a enseigné cela? Who taught us this one? Que l'église tremble à cause du diable? That the church should tremble because of the devil. Je vais vous dire quelque chose. I want to tell you something. Je vais vous dire quelque chose. I want to tell you something. Pendant que nous sommes en train de pleurer COVID. While we are crying COVID, 20 000 personnes meurent chaque mois au Cameroun.
20,000 people die every month in Cameroon. Ça, ce sont les statistiques de 2019. These are the statistics of last year, 2019. Depuis que COVID a commencé, since COVID began, on nous parle de 190 morts. They tell us of 190 Donc, deaths. Pendant que vous êtes terrifié par la peur du COVID, and while you are terrified by the si fright of COVID, si vous n'acceptez pas ce que Christ a fait pour vous, if you don't accept what Christ did for you, d'autres choses que le COVID peut vous exterminer. Other things different from COVID can exterminate you. D'où vient cette peur? Where is this fear coming from? D'où vient cette peur? Where is this fear? Est-ce que tu peux te regarder toi-même et dire je ne crains rien? Can you look at yourself and say I fear nothing? Dis je ne crains rien. Say I fear nothing. Je marche dans la victoire. I walk in victory. C'est mon année de victoire. It is my year of victory. C'est ma saison de victoire. It is my season of victory. Il nous a été dit. It was told unto us. Dans cette même église. In this very church. Que c'était une année où il y aura les secousses. If that is going to be a year where there will be shaking. Écoutez, listen. Chaque fois que le Seigneur parle, every time that the Lord speaks, il y a ce qui est dit, there is that which is said, et ce que ça veut dire, and that which it means, et il y a ce qui ressort de ce qui est dit, and there is what comes out of that which has been said. Donc si le Seigneur dit, so if the Lord says, qu'il y a la victoire, that there is victory, ça veut dire qu'il y aura des situations, it means there will be situations, des épreuves, trials, et des choses, and things, qui vous donneront l'impression d'être vaincu, that would give you the impression to have been si overcome. Une prophétie sort, and when a prophecy comes, je out, suis avec vous, I am with you, ça veut dire soit tu traverses une période où tu as l'impression que sa présence n'est plus là, it means either you are going through a time when it feels as if his presence is not there, ou alors tu es entré dans une saison où il paraîtra que sa présence n'est pas là. Or maybe you have entered a season where it seems as if his presence is not donc, there. Donc chaque fois que le Seigneur parle, so every time that the Lord speaks, prépare-toi aussi pour ce que cette parole veut dire. Prepare yourself as well for that which the il word dit means. Qu'il ne nous gardera pas ignorants des devises de l'ennemi. He said he will not keep us ignorant of the devices of the devil. Et nous avons entendu dans cette église. And we heard in this et church. Et il nous a été dit. And it was told unto que us. Que les gens vont mourir cette année. That people will die this que year. Que même au sein de l'église ils mourront. That even in the church they will die. Et que même dans parmi les autorités ils mourront. And that even among authorities they mais will die. Mais ne craignez rien. But you fear nothing. Car son esprit est autour de vous. Because his spirit is around pour you. Vous donner la victoire. To give you victory. C'est le moment pour chaque parent de cette église. It is the time for each parent de prendre l'autorité que Dieu lui a donnée. To take the authority that pour God has l'exercer given sur ses enfants. To exercise that authority et que on la couverture spirituelle divine. And that the spiritual divine soit le partage de nos foyers. Should be the cessons avec cette foyer. Distraction. Let's stop this distraction. Le royaume des cieux doit avancer. The kingdom of God was advanced. Pleurez pour d'autres choses. Crying for other things. Pour l'incapacité d'évangéliser comme vous le voulez. And yet there is inability to evangelize. Pleurez like pour d'autres choses. Cry for other things. Parce que cette situation nous met dans l'incapacité de manifester pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Because this situation is depriving us from the ability to fully manifest that which God has prepared nous for us. Nous sommes dans une saison. We are in a season. Quand il arrive de telles saisons, and when such reasons comprenez arise, très bien que Dieu veut se montrer. Understand very well that God wants to aucune show himself. Puissance. No power. Ni sous la terre. Neither on earth. Ni sur la terre. Nor under the earth. Ni dans les cieux. Nor in the heavens. Ou dans les eaux. Or even in n'est the water. Comparable à la puissance de Dieu. Is comparable to donc the power of God. Chaque fois que Satan veut se lever. So every time the devil wants il to rise. Il donne une opportunité à la gloire de Dieu de se manifester. He gives an opportunity for the glory of God to manifest. Le monde entier panique. The entire world is in panic. Dites-leur que l'espoir est en Christ. But tell them that there is hope in Christ. Le monde entier panique. The entire world is panicking. Ils ont peur de mourir. They are afraid to die. Dites-leur que la vie est en Christ. Tell them that the life is et in que Christ. Même s'ils mouraient en Christ. And that even if they died in Christ. Ils vivront. They would live. Voilà la solution au problème de ce that monde. That is the solution to the problems of this world. Actes des apôtres. Acts of the apostles. Chapitre 1. Chapter number 1. Verset 8. Verse 8. Ma prière est pour vous. It is my prayer for you que le thème de cette année
that the theme of this year soit une réalité dans votre vie. Becomes a reality in your life. Et pendant que vous entrez dans la seconde moitié de l'année, and as we are preparing to step into the second half, tout ce que vous aviez cru que le COVID est enterré, all that which you thought COVID had buried, retirer la terre dessus, you would exhume it from the earth, déterrez-le, you would et donner la vie à cela, and give it life. Il y a toujours une solution, frère. There is always a solution, brother. Verset 8 de Actes des Apôtres, chapitre 1. Verse 8 of Acts of the Apostles, chapter 1. Est-ce que nous sommes là? Are we there? Pour ceux qui sont dans le premier culte, ça risque d'être le seul verset que nous allons lire. Donc, soyons tous là. For those who are in the first service, it might as well be the only text that we would read. So make sure you are there. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ceci sont les paroles du Seigneur Jésus lui-même. These are the words of the Lord Jesus himself. Les derniers mots qu'il donne à ses disciples. The last words he gives unto his disciples. Comme ses dernières recommandations avant son enlèvement. In other words, his last recommendations before his avant qu'il ne monte au ciel. Before he went to heaven. Nous venons de fêter l'ascension dans l'église du monde. And he's asking us to celebrate the ascension in the entire church. Voici les derniers propos qui ont été prononcés avant l'ascension. And these were the last words that were declared before the ascension. Il avait tout enseigné à ses disciples. After he had taught everything to his disciples. Il avait donné le discipleship qu'il faut. And he had given them the discipleship required. Et ils étaient prêts à aller manifester. And they were ready to go out and manifest. Mais il leur a dit, but he told them, vous êtes incomplets. You are incomplete. Vous n'avez pas tout ce qu'il faut. You do not have everything that it attendez takes. Attendez sur place. Wait on the spot. N'essayez de rien faire par vos forces. Don't try to do anything on n'essayez your power. N'essayez de rien faire par votre intelligence. Don't try to do anything on your n'essayez own understanding. N'essayez même pas d'agir juste sur la base de la don't parole. Don't even try to act just attendez on the basis of the word. Attendez que le Saint-Esprit soit là. Wait until the Holy Spirit et qu'il is there. Vous remplisse. And that he fills you. Alors, at that time, vous recevrez une puissance. You would receive a power. Et vous pourrez être mes témoins. And then you would be able to be my avant de venir sur le mot puissance sur laquelle nous allons nous attarder aujourd'hui. Before coming on the word power on which we would dwell allons today, vers le mot témoin. Let's go towards the word witness. Quand le Seigneur leur dit qu'après avoir reçu la puissance, ils seront ses témoins. When the Lord tells them that after receiving power you would be his witnesses. Le mot grec utilisé ici, the Greek word used here, parle de deux choses. Speaks of two things. Parle de que vous êtes des témoins comme des personnes qu'on dit ont été témoins d'une scène. It speaks of the fact that you are witnesses like people who, as it is said, have been witnesses to a scene. Donc c'est-à-dire que vous étiez juste présent pendant que ça se passe. In other words, you were there, you were present when it was happening. Donc ça peut être une présence passive. So it could be a passive presence. Où vous n'avez pas pris part à la chose. Where you did not partake in mais vous the activity. N'étiez que des témoins de ce but qui se you passait. Witnessed that which was happening. Mais la deuxième définition, but the second definition, ajoute quelque chose de plus. Adds something to it. Ils disent, en grec ça veut dire témoin comme sur le plan légal. In Greek it speaks as witness in terms of being equal to, comme sur le plan légal, as in legal terms, sorry. Oui, comme dans le plan de la justice, as in according to legal terms. C'est-à-dire, in other words, quand tu vas au tribunal, when you go to court, et qu'il y a une affaire, and there is an que ce soit pour le défendant, whether it is for the defendant, ou pour le plaignant, or for the, il peut avoir des témoins. There could be two witnesses. Et donc ces témoins, and these witnesses, leur responsabilité, their responsibility, c'est de dire ce qu'ils ont vu, is to say that which they c'est saw, c'est de dire ce qu'ils ont compris, is to say that which they heard, et c'est de dire ce qu'ils pensent, and to say that which they think. Donc quand le Seigneur dit qu'ils seront ces témoins,
So when the Lord says they would be his witnesses, il est en train d'expliquer, he is actually explaining, que quand son esprit descend, that when his spirit descends, vous allez aller dans toutes les contrées, you will go to all countries, de Jérusalem, from Jerusalem, de la Samarie, Samaria, et aux jusqu'aux extrémités de la right terre, up to the extremities pour of the raconter world, votre témoignage, to recount your witnesses, de ce que vous connaissez à mon sujet, of that which you know about de ce me, que vous avez vu, of that which you've de seen, ce que vous avez expérimenté, of that which you've experienced. Frères et sœurs, brothers and la sisters, mission de Dieu pour l'église n'a pas changé, the mission of God for the church, sortez là dehors, get out there, racontez ce que vous avez vu, tell them what you have seen, racontez ce que vous avez vécu, tell them what you have racontez experienced, ce que vous avez expérimenté, tell them that which you have et lived, racontez ce que vous croyez à son and sujet, tell them that which you believe about him. Et il dit, and he says, avant cela, before that, vous recevrez une puissance, you would receive a power. Le mot puissance, the word power, vient d'un mot grec, comes from a Greek word, qui est dit dynamis, which is said dynamis. Le mot puissance, the word power, vient du mot grec, comes from the Greek word dynamis. Dynamis. La première fois que ce mot est fait mention dans la Bible, the first time this word is mentioned in the Bible, c'est dans Matthieu au chapitre 6, is in Matthew chapter 6, verset 13, verse number 13. Quand le Seigneur les enseigne à prier, when the Lord is teaching them how to pray, et là il les dit, and then he tells car them, c'est à toi, for thine, qui appartient la puissance, is the power, et la gloire, and the glory, pour l'éternité, forever. Donc quand il dit vous recevrez la puissance, so when he says you will receive power, c'est le même mot, it's the same word, que Jésus utilise pour Dieu, that Jesus uses for quand God. Quand il dit la puissance when est he en says, toi, power is in you. Donc quand le Saint-Esprit descend sur nous, so when the Holy Spirit descends on us, il y a un transfert du contenu de Dieu, there is a transfer of the content of God, en nous, on us, pour que nous puissions être ces démembrements, so that we can be like his extended arm, pour agir en son nom sur la terre, to act in his name here donc, on quand earth. On dit puissance, when we say power, ça veut dire premièrement la capacité, that we have the capacity, ou deuxièmement, or secondly, la force, the power, ou encore dynamis veut dire, or dynamis can also mean puissance, the power, the cette force. Cette puissance transcende tous les domaines du christianisme. And this power transcends all the domains of Christianity. Ça nous donne la capacité de vivre la totalité de l'œuvre de rédemption de Dieu. It gives us the ability to live the totality, the entirety of the presence of God. Sans cette puissance, nous without this presence, we become victims in this world. Sans cette puissance, nous serons bousculés, sans et là, comme la Bible le dit, par les choses qui arrivent dans ce monde. Without this power, we would be shaken and tossed here and there, as written in the Bible. Sans cette puissance, nous vivrons un christianisme sans saveur. Without this power, we would live a Christianity without taste. Et il est possible, and it is possible, d'avoir la piété, to have holiness, sans cette puissance, without this power. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, and that is why Paul says to Timothy, dans 2 Timothée 3 verset 5, in 2 Timothy chapter 3 verse 5, ayant une forme de piété, that having a form of godliness, mais sans la puissance qui va avec, but denying the power thereof. Et il dit ne marche pas avec de telles personnes. And he says walk not with such people. Pareillement, Jésus dit au peuple qui lui posait des questions. Similarly, Jesus would say to the people that Matthew asked the people. Dans Matthieu 22 verset 19. In Matthew 22 verse 19. Vous êtes dans l'erreur. You are in error. Ne connaissant ni les Écritures. Not knowing neither writing. Ni la puissance de Dieu. Nor the power of God. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement so puissance? So what does that mean exactly, power? C'est de quelle capacité dont on parle? What capacity are we talking about? Premièrement. Firstly, on parle de la puissance inhérente. We are talking about the inherent power. C'est-à-dire la puissance qui réside en quelque chose à cause de sa nature. In other words, it's talking about the power that resides in something by virtue of its nature. Exactement. Exactly. C'est la puissance, it is a power qui existe en quelque chose, that exists in somebody, en vertu de sa nature, by virtue of his or her nature. Ou encore la puissance que quelque chose exerce en vertu de sa nature. Or in other words, a power that can be exercised by something by virtue of its nature. Donc ça veut dire, in other words, c'est d'abord la puissance pour être. It is first of all the power to be. La puissance pour être ce que Dieu attend de toi. The power to be that which God expects from you. Et cette puissance également, and that power similarly, est traduite comme la puissance miraculeuse. Can be translated as the miraculous power. La capacité d'agir dans le surnaturel. The ability to
operate the supernatural. Voilà le type de puissance dont on parle. That's the kind of power we are talking le about. Le type de puissance. The kind of power. Que quand tu imposes les mains, that when you lay le cancer s'en va. Cancer disappears. Le type de puissance. The kind of power. Que quand tu imposes les mains, that when you lay les maladies s'enfuient. Sickness le type de puissance. The kind of power. Que quand tu passes, that when you pass, même ton ombre, even your shadow, peut guérir les malades. Can heal the sick. Voilà la capacité. That's the capacity. Que cet esprit nous donne. That this spirit gives us. Et la troisième chose. And the third thing. De, par rapport à cette puissance. With regards to this power. C'est une puissance morale. Is a moral power. Une puissance d'excellence pour l'âme. A power for the excellency of the soul. Ça veut dire que la capacité de cette puissance. In other words, the capacity of this power. Te donne l'habilité de vivre au-dessus du péché. Gives you the ability to live above sin. Voilà pourquoi il est formellement interdit. That is why it is formally forbidden. À un chrétien, for a Christian, d'essayer de nous expliquer, to try to explain qu'ils to sont us obligés de faire un péché qu'ils font. That they are forced, obliged to live in the sin that they are living. L'esprit de Dieu en nous. Because the Spirit of God in nous us donne la capacité, gives us the ability, non seulement not only d'être délivré du péché, to be delivered from sin, mais de vivre au-dessus du but péché. To live above c'est sin. Pour ça qu'il dit, that's why he says, le péché n'aura point de domination au milieu de vous. Sin shall no longer have dominion over you. Si je pêche, if I sin, j'assume la responsabilité. I assume the responsibility. Et c'est pour ça que je dois demander pardon. That is why I have to demand for forgiveness. Parce qu'il m'a donné la capacité, because he's given me the power, de vivre au-dessus. To live above that. Il donne un esprit d'excellence. He gives a spirit of excellence. Le pouvoir qui te donne de faire des choses avec distinction. The power that he gives you is to do things with distinction. La prochaine chose, the next thing, c'est un pouvoir, is a power, qui donne de l'influence, that gives influence, qui donne de l'influence, that gives influence, telle influence, such an influence, qui enrichit, that qui enriches. Donc c'est la capacité aussi d'acquérir des richesses. In other words, it is the ability to also gather wealth. C'est pour ça qu'il dit au peuple d'Israël. That's why he said to the people of Israel. Je vous donne la puissance pour acquérir les richesses. I give you power to make wealth. Voilà pourquoi. That's why. Quand Jésus dit. When Jesus said, l'esprit de Dieu est descendu sur moi. The spirit of the Lord is upon me. Ça revient à ce que Isaïe dit. It returns to that dans Isaïe 61. In Isaiah 61. Il dit l'esprit de Dieu est descendu sur says, moi. The spirit of the Lord is quand descended vous lisez upon les versets plus bas. And when you read in Jésus verses, n'a pas prononcé ces versets. Jesus did not pronounce mais Isaïe dit. But Isaiah par says, cet esprit. By that spirit. Les richesses des païens viennent vers the moi. The riches of the unbelievers par will come cet to esprit. Me. And by that spirit. Par cet esprit. By that spirit. Je domine dans le monde des gentils. I dominate in the world of pagans. Donc cet esprit, therefore this spirit, nous donne la capacité, gives us the capacity, d'acquérir des richesses, to gather wealth, et c'est le même type de puissance. And it is the same kind of power. Donc quand on parle de la puissance d'une armée, that when we talk of the power of an army, ou la force d'une armée, or the strength of an army, voilà pourquoi, that's why, quand l'armée du diable se lève, when the army of the devil l'esprit arises, l'esprit de Dieu suscite un standard contre elle, the spirit of God raises a standard against it, voilà pourquoi, that is why, nous pouvons aller dans le combat spirituel, we can step into spiritual warfare, parce que nous faisons partie de l'armée de l'Éternel, because we are part of God's army, et nous ne sommes pas de ceux qui vont dans la guerre, and we are not of those that went go to war, pour espérer avoir la victoire. To hope for victory. Nous partons en guerre. We go to war. Parce que nous savons que nous avons because la victoire. We know that we have the victory. Voilà le type d'esprit qui te donne. That is the kind of spirit that he et gives. Et qu'il a rempli les croyants. And he fills the believers. Donc pour marcher dans cette puissance, so to walk in this power, il faut deux choses. We need two things. Trois choses même d'ailleurs. Actually three things. Cette puissance, this power, est conduite par la parole. Is led by the word et la foi and faith. Le christianisme Christianity commence le jour où tu as eu la foi en Christ. Begins the day you had faith in Christ. Et tu ne seras enlevé and you would only be raptured si le jour où il revient tu as encore cette foi. If on the day that he comes you c'est still have that faith. C'est pour ça qu'il est le chef. That is why he is the chief. Et le consommateur de notre foi. The author and the finisher of our faith. Ça commence par la foi. It begins with faith. Et ça finira par la foi. And it would end with faith. Cette puissance, that power, ne peut agir, can only act, par la foi, by faith, enracinée dans la parole, and rooted in the word, et allumée dans la prière, and
lighted, ignited in prayer. C'est à ça que sert cette puissance. This is the purpose for de nous this donner power. Toutes ces dimensions que nous avons vues. To give us all these dimensions that avant we've que seen. Nous n'entrons dans la prière dans quelques 5 minutes, before we step into prayer in some few minutes, j'aimerais vous dire quelque chose. I would like to tell you something. Par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. With regards to that which you are living today. Ne prenez pas la présence de la tempête comme une indication que Dieu n'y est pas. Do not take the presence of the storm to mean that God is not there. Même pendant que la tempête touchait la barque, on a reçu l'enseignement pendant ce Covid, Dieu était tranquille dans la barque. Even though the storm was hitting the boat like we received within this period of Covid, God was peacefully inside the boat. Donc la présence de la tempête, so the presence or the existence of the storm, ne signifie pas que Dieu n'est pas dans la barque. Does not imply that God is not in the boat. Il faut aussi comprendre, you ought to also understand, que cet esprit est avec toi, that if the spirit be with you, pour te donner la capacité, it is with you to give you the power, de vivre au-dessus des tempêtes, the ability to live above storms. Chaque fois, every time, que l'avion est en train de voler, that a plane is in flight, et qu'il y a la tempête au niveau où il est, and that there is a storm at its level, les pilotes vont toujours un niveau plus haut, the pilots take the plane one level higher, et la tempête est en dessous, and the storm is underneath, et l'avion vole au-dessus, and the plane flies above. Voilà pourquoi en cette saison, that is why in this season, et les saisons à venir, and the following quand seasons la tempête vient, when storms come, va au-dessus, go a level higher, assieds-toi, and sit au-dessus des principautés, above principalities, au-dessus des puissances, above power, ensemble avec Christ, together with Christ, à la droite du Père, at the right of the Father. C'est de cet endroit, it is at that point, que tu peux avoir un combat spirituel efficace, that you can have an effective spiritual warfare. Donc chaque fois qu'il y a la tempête, so every time there is a storm, va au-dessus, go above. Donc il ne faut pas demeurer là pour pleurnicher dans la tempête. So you ought not to stay down there and to cry. Chaque fois, every time, que quelque chose ne va pas, that something is not going, l'homme, man, et l'environnement humain, and the human environment, essaye toujours de s'adapter. Always try to adapt. Chaque fois que quelque chose ne va pas, each time things are not going right, l'homme et l'environnement humain, man and the human environment, essaye toujours de s'adapter. Always try to adapt, afin de pouvoir survivre, in order to survive. Et c'est ce que nous sommes en train de constater même dans cette saison. And that's what we are realizing even in this season. Et cette capacité d'adaptation est importante. And this ability to adapt is important. C'est pour ça que quand on regarde dans le livre des Actes, quand Jean vient au temple au chapitre 4, that is why when we behold the book of the Acts in chapter 4, when John comes to the temple, on voit le paralytique. We see the paralyzed man. La Bible dit qu'il est là depuis des trentaines d'années. The Bible says he's been there for 30 years or more. Il s'est adapté à la situation. And he had become adapted to the situation. Ça devient son quotidien normal. It becomes his normal day-to-day routine. Et pourtant, Dieu avait un autre plan. Meanwhile, God had another plan. Frères et sœurs, brothers and sisters, adapte-toi. Adapt yourself. Mais mets en tête que c'est temporaire. But put it in your head that it's parce temporary. Parce que Dieu a un autre plan. Because God has another plan. Il ne faut pas écraser tous les plans que Dieu a pour toi aujourd'hui. So stop grinding every plan that God has for you today. La capacité d'adaptation est bonne. The ability to adapt is good. Mais la capacité de se surpasser et traverser est mieux. But the ability to surpass oneself to overcome is better. Parce qu'il faut comprendre, because we ought to understand, que ce qui nous distingue, that which distinguishes us, n'est pas notre talent, is not our talent, et n'est même pas nos capacités, it's not even our ability. Ce qui nous donne la distinction, that which gives us distinction, c'est la grâce et la puissance de Dieu, is the grace of the power of God. Quand Dieu appelle Moïse, when God calls Moses, il dit Seigneur, je n'ai pas la capacité. He says, Lord, I am unable. Il pensait que la distinction c'est sa capacité. He thought distinction would come by la reason of his capacity. La distinction c'est l'esprit de Dieu en toi. The distinction is the spirit of voilà God. Voilà pourquoi in you. Quand l'esprit de Dieu est venu, that's why when the spirit of God came. Pierre qui était un poltron, Peter who was, qui avait peur, a fearful person, est devenu courageux, became courageous. Celui qui n'avait jamais guéri, and the one who had never healed, est devenu quelqu'un qui œuvre dans le miraculeux, became someone who operates the miraculous. Il pouvait se tenir pour faire face aux autorités. He could stand and face authorities. La marque de distinction dans ta vie, the mark of distinction in your life, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Is the spirit of God that is in you. Allume ce feu aujourd'hui. Light up that fire. Transcende-toi à partir d'aujourd'hui. Transcend yourself from today. Si ton enfant est malade à la maison, your child is sick at
at home. On te dit que les hôpitaux sont remplis. And they tell you hospitals are closed. À cause des cas de COVID. Because of COVID. Mets ta main sur cet enfant. Lay your hand on that child. Commence à parler en langue si tu ne connais pas quoi dire. Tongues if you don't et know tu déclares la guérison au nom de Jésus. The healing in the name voilà of la puissance qui nous that a donné. Is the power that is given c'est ça qui us. Fait notre distinction. And that is what makes our voilà distinction. Pourquoi j'aimerais que tu commences à prier pour that toi. I would like you to start en disant Seigneur allume ce feu nouveau en moi. Light up that fire in me. Allume ce feu nouveau en moi. Light up that new fire. Allume ce feu nouveau en moi. Light up that new je fire. Je veux marcher. I want to walk. Pas parce que je vois. Not because of by je reason ne veux of pas marcher. I do not want to par walk. Les nouvelles que j'entends. By reason of the news je I ne veux hear. Pas marcher. I don't want to walk. Par mes capacités humaines. By my human ability. Je veux fonctionner. I want to function. Par ton esprit. By your spirit. Allume le feu de ton light esprit up that en moi. Fire of your spirit. Efface tout doute en moi. And wipe off every doubt in me. Efface toute peur en moi. Wipe off every fear. Efface toute peur en moi. Wipe off every fear. On t'explique. It is explained que les gens sont en train de mourir. That people are dying. Dis à ce diable and tell that devil que 200 000 personnes sont mortes au Cameroun l'année dernière. 200,000 people died in et Cameroon que ce last même year. Dieu and that same God t'a permis de survivre. Permitted me to survive. Et que cette fois-ci and this time, il te donnera aussi la victoire. God will still give la you victoire power. Nous appartient, frère. Victory belongs to us, c'est brother. Notre année de victoire. It is our year of victory. Allume le feu de Dieu en toi. Light up the fire of God active in you. Le feu de Dieu en toi. Activate the fire. Active le feu de Dieu en toi. Activate the fire que son of God esprit in you. Te donne. And that his spirit une capacité will give de te transcender. An ability to transcend et de pouvoir yourself. Continuer l'œuvre du ministère. And to be able to continue with the work même of the ministry. Même dans cette saison. Even in this que season. Son esprit te donne. That his spirit la might capacité give you the ability de vivre to live au-dessus des tempêtes above storms. Est-ce que tu peux faire cette prière can you pour make toi? That prayer now? Est-ce que tu peux faire cette prière can pour you toi? Make that prayer now? Parce que la douleur because pain la douleur pain de l'incertitude of uncertainty pendant une crise during a crisis ne peut être vaincu can only be overcome que quand tu utilises une plus grande puissance when you use a greater power avec de la foi. With faith. J'aimerais que tu te lèves sur tes pieds. I would like you to stand to your feet. Et tu dis Seigneur, je crois. And you say Lord, I believe. Je crois. I believe. Je crois ce que tu dis à mon I sujet. I believe that which you say about me. Je crois Seigneur. I believe Lord. On n'a pas besoin de me motiver pour ça, je crois. I need not to be motivated for that. I believe. Je crois Seigneur. I believe Lord. Je crois. I believe. Je crois I believe que tu as la capacité that de me you protéger. Have the ability to protect me. Je crois, Seigneur, I believe, Lord, que tu as la capacité that you have the ability de protéger ma famille, to protect my de family, protéger mes proches. To protect my je crois, oh Dieu, I believe, God, que tu as la capacité that you have the ability de me préserver to preserve me et de préserver ce monde. And to preserve this world. Frères et sœurs, my brothers and sisters, frères et sœurs, my brothers and nous sisters, ne sommes pas à la merci du diable. We are not at the mercy of the il devil. A toujours eu des agendas machiavéliques. There has always been evil agendas. Ils ont toujours eu les agendas diaboliques. They have always been demonic agendas. Mais la Bible dit, but the Bible says, sûrement ils vont se rassembler. Surely they shall gather. Mais parce qu'ils n'ont pas été invoqués par Dieu. But not by God. Ils vont tomber. Therefore they shall fall. Mes frères et sœurs, brothers and sisters, si tu devais te marier cette année, if you got to get married this year, alors tu vas te marier. Then you are going to get rien married this year. Cela. And nothing will stop le that. Le plan de l'église va avancer. The plan of the church will advance. Si l'église devait doubler cette année, if the church ought to double this on year, on trouvera des stratégies en nous adaptant. We would find strategies as we adapt. Pour que l'église puisse doubler. So that the church can double up. L'église de Dieu avance. The church of God is advancing. Et le porte des séjours des morts. And it is the gates of hell point de force contre elle. Will not prevail against parce it. Que depuis l'époque de Jean Baptiste, because from the days of John the Baptist, le royaume de cieux souffre de violence. The kingdom of heaven suffered violence. Et seules les violences en ont part. And the violence taken it on by force. On a assez eu un christianisme confortable. We have had the soft Christianity for long on enough. A eu un christianisme confortable. We have had a comfortable Christianity for où long on enough. Nous encourage à tout faire. Where they encourage us to do everything. Voici le moment venu. But the time has now come. Où les rejetons de David. Where the remnants doivent se manifester. Should manifest. Est-ce que tu peux déclarer cela pour ta can vie? Can you declare that for your life? Que je suis assis avec Dieu. That I am seated with God. Au-dessus. Above. Tu vas prendre cette prière. You will take this prayer. Tu vas prendre cette prière. You will take this prayer. Après l'interprète. After the interpreter. Dis
merci Seigneur. Say thank you Lord. Dis-le avec force et vigueur. Dis merci Seigneur. Say with power and vigor. Say thank you Lord. Parce que depuis le commencement, because from the beginning, tu connaissais que cette saison va arriver. You knew that this season would come. Et tu nous as donné ton esprit. And you gave us your spirit. Pour que nous soyons plus que vainqueurs. So that we can be more than conquerors. Dans toutes ces choses. In all these things. Merci Seigneur. Thank you Lord. Parce que tu as voulu par ta grâce. Because by your grace you please, it pleased you. De me faire asseoir ensemble avec toi. To make me to be seated together with you. À la droite de Dieu le Père. At the right of God the Father. Au-dessus des principautés et des puissances. Above principalities and powers. Merci Seigneur. Thank you Lord. Parce que c'est un lieu de sécurité. Because it is a place of security. Et que les flèches de l'ennemi ne pourront pas m'atteindre. And that the arrows of the enemy would not get to me. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pour le bouclier de la foi. For the shield of faith. Qui m'aide à éteindre toutes les missiles du diable. That helps to quench all the missiles of the devil. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pour l'épée de la parole. For the sword of the word. Que tu nous as donné à double tranchant. That you have given us and it is double edged. Pour encourager les frères. To encourage brethren. Et pour détruire les œuvres du diable. And to destroy the works of the devil. Et en vertu de cette parole. And by reason of that word. Je déclare, I declare, qu'aucune puissance du diable, that no powers of the devil, aucune puissance des ténèbres, no powers of darkness, aucun ordre mondial, no world order, ne pourra avoir le dessus sur l'église, would be able to triumph over the ne church, ne pourra avoir l'église le dessus sur ma famille, would be able to triumph over my ne family, ne pourra avoir le dessus dans ma vie, would be able to triumph over ne my life, ne pourra éteindre tes plans pour would moi, would be able to quench your est-ce plans que tu peux for faire me? Cette prière can pour you toi? Make that prayer est-ce now? Que tu peux faire cette go prière? Ahead and make that je prayer. Je déclare, I declare, je déclare, I declare que les plans de Dieu pour ta vie, that the plans of God for your life, sont établis pour toujours, would be established forever, sont établis pour toujours, are established forever, sont établis pour toujours, are established forever. Tu sors de ce lieu. You leave this place avec une nouvelle force. With a new power. Avec une nouvelle vigueur. With a new vigor. Avec une nouvelle vigueur. With a new vigor. Que le Saint-Esprit, that the Holy Spirit, renouvelle sa force en toi. Renew his power in que you. Que le Saint-Esprit, may the Holy Spirit, te donne une nouvelle inspiration. Give you a new inspiration. Que le Saint-Esprit, may the Holy Spirit, te donne un chemin. Give you a way. Là où il semble ne pas avoir de chemin. Where there seems to be no way. Que le Saint-Esprit, may the Holy Spirit, te donne la victoire. Give you victory. Te donne la victoire. Give you victory. Te donne la victoire. Give you victory. Tel que son serviteur a annoncé. Just as his servant announced. Est-ce que tu peux déclarer j'ai la victoire? Can you declare I have the victory? Dis-le fort, j'ai la victoire. Say it loud, I have the victory. J'ai la victoire. I have the victory. En cette année 2018. In this year 2020. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Est-ce que tu peux mettre tes mains ensemble pour put le Seigneur? Put your hands together for the Lord. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. As in the day of fire fall on. As in the day of fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Fire fall on me. Hey.
Commence à déclarer que ton esprit descende sur moi, Seigneur. By fire. Par le feu. By fire. Par le feu. That fire. Par le feu. That consumes. That purifies. Que ce qui purifie. That fire that consumes. Ce feu qui consume. That purifies. Qui purifie. That energizes. Qui donne de l'énergie. That empowers. Qui donne la puissance, that heals, qui guérit, that restores, qui restaure. Let that fire fall on me. Que le feu descende. Let that fire fall on me. Que le feu descende. Let that fire fall on me. Que le feu descende. Let that fire fall on me. Let that fire fall on me. Que le feu descende. Let that fire fall on me. Que le feu descende. Let that fire fall on me. Que le feu descende. 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 Yekele brosko kobroshi ala na na baba ba, rekesi kala na re ala na baba sekederi baba, rikobo shikere deri baba sete, yekele bresi kala na na baba sete deri baba, yekele deri brodoro ri ala baba sete kederi baba, yekele brosko tsokobo, shikere bresete ri ala baba ba, na 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 kaba sete re 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 re, ri baba 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 baba. The anointing of the Holy Spirit. L'onction du Saint-Esprit. Be released upon your life. Soit relâché dans ta vie. To empower you. Pour vous donner la puissance. To do that which you have not been able to do. De faire ce que vous ne pouvez pas faire. The anointing of the Holy Spirit. L'onction du Saint-Esprit. Be released upon you. Soit relâché sur vous. To increase your faith. Pour ajouter votre foi. To believe in the impossible. Et que vous croyez en l'impossible. The power of the Holy Spirit. Be released upon your life. Que la puissance de l'esprit soit relâchée. To be a powerful witness. Pour être un témoin puissant. In this season for the Lord. Dans cette saison. The power of the Holy Spirit. La vie du Saint-Esprit. Be released upon you. Que sa puissance soit libérée. To do that which you have not been able to do. Pour faire ce que vous ne pouviez pas faire. Let the name of the Lord be glorified upon your life. Que la puissance, le nom du Seigneur soit glorifié. Thank him for the Holy Spirit. Just worship him for the Holy Spirit. Adore-les. Just say thank you, Lord, for the gift of the Holy Spirit. Balance tes mains pour le don du Saint-Esprit. Thank you, Lord, for the gift of the Holy Spirit. Merci, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. Thank you, Lord, for the gift of the Holy Spirit. Merci, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. Just give him praise. Just give him praise. Just give him praise. Donne la louange. Donne la louange. Hallelujah to the Lord. Hallelujah au Seigneur. Hallelujah to the Lord. Hallelujah. Hallelujah to the Lord. Hallelujah au Seigneur. And we put our hands together for the Lord Jesus. Hallelujah. Amen.